Bonjour à tous et à toutes, ici le Tukwazi les Mandela. Poli, bande de Yamanguru. Alors aujourd'hui c'est une annonce très importante. Donc il faut savoir que moi, Jacob, on a une chaîne musicale maintenant. C'est, il faut aller s'abonner, voilà. Bien sûr. Abonnez-vous. Et bien sûr, allez checker les vidéos des covers. C'est très très important. En fait, de base, j'étais seul. Mais voilà. Vu que moi et Riku, on s'est rencontrés grâce à la musique, on s'est dit pourquoi pas refaire comme avant et retravailler ensemble dans la musique. Donc s'il vous plaît, allez vous abonner. Ça va être vraiment fun et ça va être vraiment bien. Oh, quoi? C'est quoi là? Bah là j'allais sauter un petit coup là. Pourquoi tu veux sauter ici? Bah j'ai envie là, c'est Noël là, c'est nouvel an. Écoute, calme-toi et dis-moi ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, aujourd'hui tout simplement on va aller demander du coup aux filles qu'est-ce qu'elles pensent des hommes précoces. Parce que c'est un sujet qui touche beaucoup d'hommes. Et du coup bah on va en parler de ça. Salut. Bonjour. Très bien, en tout cas tes yeux sont accordés avec le bandeau, avec les habits, c'est bien. Merci. Voilà, c'est très bien. Salut. 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 Est-ce que vous avez confiance en moi? Vous savez pas trop, hein? Ouais. Pas trop, non. Ouais. Mais est-ce que d'abord vous êtes sincère dans la vie? Est-ce que vous êtes cash? Est-ce que vous êtes honnête? Oui. Moi j'aime ça. C'est un problème qui touche beaucoup d'hommes malheureusement. Beaucoup d'hommes. Qu'est-ce que vous pensez des hommes qui sont précoces? Vous rigolez. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Vous êtes un super look, hein. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Moi je dis merci. Mais qu'est-ce que tu penses des hommes qui sont précoces? Parce que ça touche beaucoup d'hommes. Ah bah ça me dérange, enfin genre c'est... Si mon homme il est précoce c'est pas très grave, mais si c'est un mec comme ça... Ça c'est gênant je trouve. Ça te gêne quand même? Ouais, ça me gêne un peu. Ah ouais d'accord, ok. Mais si c'est l'homme que tu aimes, ça passe on va dire. Ça peut passer. Ah ça peut passer, ça peut passer. Ça dépend du mec. Ah ça dépend du mec, ok. Ouais. Du mec, ok. Et de la relation aussi. Mais est-ce que tu es déjà tombé sur un homme précoce? Ouais. Et comment tu as réagi par rapport à ça du coup? J'ai rien dit ce moment, mais après j'étais un peu gênée quand même. Et après du coup tu as dit cash ou t'as rien dit ou... Je lui ai dit mais il a un peu mal pris. Ouais normal, ouais normal. Parce que ça touche beaucoup d'hommes malheureusement. C'est... Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Bah c'est pas leur faute, miskine. Ok. C'est vrai, c'est vrai. Bah ça peut être dérangeant, mais après, voilà quoi. Mais est-ce que tu es déjà tombé sur un homme précoce? Pas du tout. Pas du tout. Et imaginons que l'homme que tu aimes vraiment, le crush, est très précoce. 30 secondes par exemple seulement. Voilà. Comment tu réagirais? 30 secondes, c'est chaud. Oui mais crois-moi qu'il y en a. Comment tu réagirais? Bah on peut pas faire... On fait avec. Ok. Faut rigoler. Faut pas rigoler. C'est important. C'est. Oh. Faut pas rigoler. Bah. Ah oui, quand même. Ouais. Du coup, les pauvres. Du coup, c'est ouais. C'est tout. Ouais, les pauvres. Bah. Elle rigole. Après, c'est tout. Bah oui. C'est bah, pas les qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Vous avez pas genre un mot de soutien ou quelque chose? Un mot de soutien? Faut qu'ils aillent consulter, je sais pas. Ça se guérit pas, je pense. Ça se guérit pas, tu vois. Je sais pas, c'est pas, bah, c'est pas notre cas, donc on peut pas savoir. Bah oui, parce que vous êtes des femmes. Bah oui. Oui. Et toi, du coup? Faut qu'ils aillent consulter, hein. C'est tout? Ouais. Bah oui. Bah, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, sinon? Mais genre, imaginez que genre l'homme que vous aimez vraiment. Oui, je sais. Elle fait marrer, hein. Imaginez que vous êtes genre célib. C'est libre, d'accord, ok. Et l'homme que vous aimez vraiment, il est précoce. 30 secondes seulement. Comment vous réagissez? Mais c'est l'homme que vous aimez quand même. Oui, mais c'est pas le cas, du coup, je sais pas moi. Toi aussi. Justement, c'est un si. C'est si. Voilà. Ouais. Bah, on peut pas savoir. Bah... Ok, ça marche, ok. J'irai d'aller consulter. Consulter seulement, consulter. Consultation, hein, toujours. Hein. Voilà, consulter, hein. Bah, j'en ai jamais rencontré. Jamais? Non. Mais j'ai pas d'a priori donc. D'accord. Mais imaginons que tu rencontres un jour un homme précoce, ouais. Comment tu réagirais par rapport à ça? Je sais pas. Bah, choqué. Que... Non, pas choqué, mais je lui en parlerai tranquillement. Fin... Tranquillement, d'accord, ok. Voilà. D'accord, okay. T'es plutôt cool par rapport à ça. Ouais. Ah, c'est bien, c'est bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des hommes qui sont précoces? Parce que c'est un problème assez récurrent chez les hommes. Qu'est-ce que tu en penses? Sincèrement. Ouais, dis-nous tout. Ça peut être un peu long. En tant que femme, ouais. Après, il y a des alternatives qui existent. J'ai eu un compagnon où ça avait été le cas, ouais. Et ça n'a pas été un souci. J'ai eu une vie épanouie avec lui, je regrette pas. D'accord. Mais c'est vrai que le premier rapport, je me suis dit, ah putain, ça va être long. D'accord. Et après, il y a des choses qui existent, voilà. Il y a des gels intimes, il y a des jouets, il y a du plan B, quoi. C'est vrai que toi, tu connais bien les choses, hein. Les petits jouets. Faut pas empêcher qui que ce soit de s'épanouir comme il veut, tu vois. C'est une très bonne mentalité, hein. Bah,
On essaye. Tu es une fille très bien. Pense pas. En général. Parce que malheureusement, ça touche beaucoup de problèmes, beaucoup d'hommes. Et beaucoup d'hommes en souffrent. T'en penses quoi? Parce que franchement, c'est pas facile. Ah ouais, c'est difficile. Hein. Ah ouais, vraiment, non. Moi, je sais pas quoi penser parce que. Mais franchement, c'est difficile pour ces hommes-là. Ouais, c'est... Et toi, du coup? J'en ai pas connu, mais franchement, j'espère pas en rencontrer en fait. Carrément? Mais imagine que l'homme. L'homme que imagine que t'aimes bien, malheureusement, il est précoce. Bah franchement, s'il y a pas que ça, mais c'est quand même important dans un couple, on est dit. Ouais. D'accord, ok. Non, parce que j'ai, on va dire qu'une amie, elle a rencontré un homme qui durait que 30 secondes. On s'en va écouter la vérité. Donc, je sais pas ce 30 secondes. 30 secondes. Même. Non, c'est pas possible. Non, sérieusement. Vraiment 30 secondes. Oh 30 secondes. Donc, franchement, on n'est pas dans la situation pour connaître en fait le. Ouais. Ça peut arriver, tu vois. Imagine que. Ah, moi, j'espère regarder mon mec là. Ouais. Avec cette question là, je vais plus rencontrer personne d'autre. Ah, monsieur, dites-nous. Quand je vous ai expliqué, il faut liker. Il faut liker ou pas? Qu'il parte avec un. Comment dire? Pas un avantage, ouais. Mais que c'est pas un handicap pour autant. Je pense que. Ils peuvent s'en sortir, entre guillemets. D'accord. Est-ce que par exemple, tu es déjà tombé sur un homme qui était précoce, par exemple? Non. Pas du tout. Non. D'accord, ok. Donc tu as plutôt eu de la chance en général? Oui. Ok. Ah. Voilà. Bah écoute, moi j'en sais rien, je sais pas. Chacun ses problèmes parfois, tu sais. Oui, imagine. Mais non, je sais pas, faut pas. Mais qu'est-ce que je peux te dire? Je sais pas. Je respecte les problèmes des autres, je sais pas. D'accord. Et toi, du coup, Niyama, dis-nous tout. Les Niyama précoces, du coup. Bah, ça. Je sais pas, c'est pas. Ça fait rien, ça arrive. Ça arrive. Ouais. On n'est pas très fun là-dessus, hein. On n'est pas trop méchantes nous. Donc, ok, bah, ça va. Parce qu'il y a des filles qui sont quand même assez violentes par rapport à ça. Non, ouais. Non. Pas tant que ça, c'est pas vrai en plus, je pense. Pas tant que ça, je pense. Ah bah, tu verras la vidéo. Tu verras la vidéo, ouais. Merde. Mais est-ce que du coup vous êtes déjà tombé sur des hommes qui sont précoces dans la vie? Non. Toi aussi? Une fois, mais. Une fois. Et comment du coup tu as réagi par rapport à ça? Bah ça surprend et après je dis bon bah tant pis. Ah, tu lui as dit après ou tu l'as pas dit? Non, j'ai rien dit. Ok, ça va. Non, c'est un peu gênant, je sais pas. Ok, ça marche. C'est un peu triste pour eux, enfin, c'est surtout par rapport au regard des autres. Ça, c'est quelque chose qui complexe beaucoup, j'imagine. Oui, beaucoup. Faut pas vraiment se moquer de ça, enfin ça se fait pas vraiment. D'accord, ok. Je sais pas, j'ai pas vraiment un avis vraiment. Ouais. J'ai pas vraiment une idée. Objectif mais je pense que c'est vrai que ça touche beaucoup les hommes. Mm-hmm. Et là j'espère que la science la technologie va peut-être aider aussi ce problème à régler certaines choses et voir s'il n'y a pas de de solution en fait. D'accord, ok. Voilà, parce que moi je connais pas vraiment de d'hommes précoces, hein, en fait, pour être honnête. Alors je ne suis pas vraiment dans le contexte et peut-être d'un point de vue moi j'espère pour trouver des solutions, hein. Il faut pas juste parler du problème, mais il faut savoir trouver des solutions pour régler ce problème-là. Écoute, je te jure, j'ai envie de pisser sa mère, je tiens plus là. Marche doucement. Mabdo. Gros, c'est encore loin. J'ai envie de pisser sa mère. Go, oh putain, aux toilettes. Putain, je suis. C'est un problème qui touche beaucoup d'hommes, malheureusement. Je sais pas. Parce que malheureusement, ils en souffrent. Vous en pensez quoi? Vos avis? Pas d'avis? Non, pas d'avis, je sais pas. Ok. Non, est-ce que vous êtes déjà tombé sur un homme qui était précoce du coup? Ouais. Ah, et du coup, comment tu as réagi par rapport à ça? Tu l'as dit ou tu l'as pas dit ou... Si, j'ai essayé de lui faire comprendre, mais il a pas voulu, donc next. Ok, d'accord. Et toi, du coup? Non, bah moi j'ai eu qu'un seul mec. D'accord, donc, ok. Heureusement, il est pas précoce. Ouais. D'accord. Malheureusement, c'est un problème assez grave. Qu'est-ce que t'en penses, Thérèse? Voilà, bah, pas toi d'abord, parce que t'as quand même plutôt cash. Non, je sais pas. Ah, tu sais pas trop? Non. Et toi, du coup? J'en sais rien. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de ça. Vous avez pas des petites idées ou... Non, ok, bon, on est, on est très à l'aise, là. Très à l'aise, ouais. Oui, je vois ça, ouais. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie, en tout cas, dis donc, hein. Merci, hein. Ils sont précoces, malheureusement. Parce que malheureusement ça touche beaucoup d'hommes et puis j'aimerais savoir. Voilà, parce que c'est un problème grave, voyez-vous. Dis-moi un peu. Bah ça arrive quoi, enfin c'est basique, enfin tout le monde peut être touché par ça. Tout le monde, d'accord, ok. Donc pour toi c'est un truc qui est basique, c'est pas grave, c'est. Bah non. Ok.
Et toi, du coup, dis-moi. Je pense que ça a son importance dans une vie de couple parce que le sexe c'est important, mais après, si on accepte la personne telle qu'elle est, ben, on doit accepter le fait qu'elle soit précoce. C'est comme ça, il faut trouver d'autres solutions, c'est tout. D'accord, ok. Mais est-ce que par exemple vous avez déjà connu des hommes qui sont précoces en général dans la vie ou... Non. Ça va ? Non. D'accord, ok. En tout cas, je vous remercie. Hein. De rien. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Voilà, du coup, les filles, mettez en commentaire ce que vous pensez des hommes précoces et likez au maximum. Likez au maximum et surtout, commentez. Partagez. Partagez. N'y a pas pouce bleu. Voilà. Like. En tout cas, merci à vous. Et ciao.